Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de notre aventure sur Days Gone. Comme d'habitude, prévoyez. Bah déjà la haute définition c'est toujours plus sympa, limite le 2K, 60 FPS, prenez un casque et des écouteurs, plongez-vous dans le noir. Nous sommes partis pour une bonne demi-heure ensemble dans cet épisode 11 et on se retrouve directement là où on s'était laissé. A tout de suite. Directement au QG, là où il y a notre ami Boozer qui se repose et qui se remet de ses blessures. On va aller faire le plein dans la moto et direction la suite de notre quête principale. Vous êtes cependant nombreux voilà. À m'avoir signalé que j'avais perdu 1000 abonnés, effectivement, voire beaucoup plus maintenant que cette vidéo est sortie. C'est tout simplement YouTube qui fait le ménage tous les ans, hein, tous les étés. Supprime les comptes inactifs et tutti quanti. Donc pas de soucis, rien de plus normal, ça se récupérera tranquillement avec le temps. Allez, direction la moto et direction surtout notre mission qui a l'air fort intéressante et qui s'appelle Il me laisse pas partir. Donc il faut aller voir Lisa, à mon avis c'est la gamine qu'on a ramenée au camp, souvenez-vous. Ils veulent pas qu'elle s'en aille. Ils sont là en mode non, tu ne partiras point. Et ça c'est fort dommage, donc on va aller voir ce qui se passe et on va aller voir ce qui va falloir faire pour qu'il la laisse partir, parce qu'à mon avis, Lisa est comme moi, c'est un peu une louve solitaire. C'est parti. Allez, nous voici directement devant le camp. On va voir un petit peu ce que Lisa a à nous dire. Et très honnêtement, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, je pense. Salut, que ça peut partir en cacahuète très, peut-être même trop rapidement. C'est parti, Lisa, dis-moi tout. Comment ça va, petite? Il me laisse pas partir. Pourquoi tu veux partir? T'es à l'abri ici. Je dois travailler. Ok. Ok. Ah, ça sent pas bon. J'ai peur de rentrer en conflit avec le camp. Hot Springs, ça monte. Néanmoins, on va voir ce qui se passe. Mais c'est pas une bonne situation. En tout cas, dans les films post-apocalyptiques, c'est jamais une bonne situation. Très bien. Bon, ben on va voir ce qui nous attend pour la suite. À mon avis, elle va nous passer un petit coup de fil. Il y a fort moyen. En attendant, qu'est-ce qu'on peut aller faire? On va tout simplement aller sur la moto, pardon. Alors, nous avons quelque chose ici. Oh, je me souviens. Scénario. On y va. C'est juste à côté. Le temps que ça continue, parce que là c'est vrai que jusqu'ici on n'a pas eu de suite. Voilà, il me laisse pas partir et je dois travailler. Donc à mon avis, il faudra aller parler à la comment on peut appeler ça, à la chef de camp, tout simplement. Je sais plus. Attends, comment elle s'appelle. Je vais pas vous mentir que j'ai pas retenu. Attention, je vais prendre dessus, aucun souci. C'est parti, direction, je me souviens, avec une cinématique au sujet de Sarah et moi, histoire de continuer ce scénar qui était pas intéressant. On avait vu le moment où elle est partie, voilà, le moment où elle a réussi à partir en hélico pendant que les mutants étaient en train de se faire. On a vu le moment de la rencontre entre Deacon et Sarah. Une zone d'infestation. Une zone d'infestation, ouais, mais alors attendez. Là, dans les chiottes, il y a quelque chose. Là, on en avait fait quelques-uns. On en avait fait quelques-uns. Si on arrive à retrouver les autres, ça serait plutôt pas trop mal en vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être à la cascade, hein? Non, je pense pas, hein? C'est bizarre, hein? Attendez, bougez pas, parce qu'il y a une zone d'infestation assez intéressante. Je pense que ça vaudrait le coup de s'y attarder. Et là, c'est un lac. Et forcément, il n'y a rien ici. Comment on peut faire? Est-ce que vous pensez... Alors, attendez, bougez pas, on va faire un petit peu d'hors-piste. Ça va me coûter très cher en essence, cette connerie, hein? Ça va me coûter très très cher en essence. J'aime pas trop ça. C'est pas grave. Allez, direction Sarah. On va continuer le scénario. Ah, deux nids détruits sur trois. Putain, mais il est où ce troisième nid? C'est terrible. Sûrement ici. Oh oui. Alors. Hop, 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 hop. Voilà. Je t'ai eu. Ça y est. Ok. Ça y est. Normalement,
ils vont pas se réveiller. On a le dernier nid, ça c'est plutôt cool. On va pouvoir se TP rapidement ici aussi. Alors voilà ce qu'on va faire. Il doit être par là. Voilà ce qu'on va faire. J'ai trouvé, t'inquiète pas le nid. On va prendre les carreaux. Voilà. Brûle, saloperie. Oh putain. Ok, vas-y, bats-toi pour moi, frérot. Voilà. Battez-vous pour moi, allez-y, 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 s'il vous plaît. J'aimerais que ça... Hop, et on va, par la même occasion, regarde. On va brûler tout ça. Ah. Attendez, je la refais. Voilà, il y a tout le monde qui brûle. Normalement, pas de jaloux. Aucun souci. Le dernier nid, c'est fait. Donc, on va être beaucoup plus safe à ce niveau-là. Dick, Dieu merci. Il faut que tu te lances à sa poursuite, il s'échappe. À la poursuite de qui, Tuck? Ralentis. C'est Roach. Roach, tu te connais. Il roulait avec Léon et Alvarez. Mais je faisais confiance. Ah putain, Tuck, t'aurais pas dû. Oui, il s'est tiré vers le nord avec nos médocs. Mes gars l'ont perdu aux alentours de Oh putain. Oh sa mère. Mais vous êtes fous. Ok, on disait... Oui, il s'est tiré vers le nord avec nos médocs. Mes gars l'ont perdu aux alentours de Marion Forks. Oh. Ok, je vais essayer de le retrouver. Attends, ça commence à être fort embêtant. Combien de loups ici? Non, 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 ça c'est pas bien ça. Hein. Ça c'est pas bien ça. Hein. Les gars, j'ai frôlé l'arrêt là, vraiment. Hein. Compliqué, hein. Compliqué pour une putain de connerie en plus de loup de mort. Bon, on va fouiller les quelques voitures. Il y en a que deux et à mon avis, on n'est pas prêt de revenir ici. Donc, vu qu'on ne reviendra pas, autant voir s'il n'y a pas du métal par exemple. Ou autre. Ah, voilà! Voilà une chose bien intéressante, un peu de ferraille. Là, on peut pas ouvrir malheureusement. Et là, peut-être. Non, pas du tout. Bon, bah, on peut partir, écoutez. On a fait tout ce qu'on avait à faire ici. C'est parti! Je me souviens. J'ai plus d'essence, putain. J'ai plus d'essence. Et c'est juste à côté. Quand on a plus d'essence, je vois pas du tout comment on peut faire en vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a plus d'essence? On va pas tout faire à pied quand même. Oh non. Bah voilà, j'en ai plus. Réparation est plein. Les mécaniciens peuvent réparer et faire le plein de votre moto contre des crédits. Les prix montent vite. Alors entretenez votre moto vous-même quand vous le pouvez. Poussez la moto. Quand votre moto est à l'arrêt, vous pouvez la pousser en arrière ou en avant en utilisant L. Si vous êtes à court de carburant ou voulez être discret et n'êtes pas sur une pente rapide, vous pouvez déplacer votre moto. Et ben voilà, je suis dans une putain de merde. Ça risque d'être terrible. Bon, je suis dans la merde. J'ai plus du tout d'essence. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Cette terre nous a été offerte à nous pour qu'on en fasse ce qu'on voulait. Pour en tirer les ressources nécessaires à notre bien-être et à celui de nos familles. C'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur qui nous l'a laissé. Mais c'était pas suffisant pour certains. Ils en voulaient encore plus. Quand les réserves de carburant ont diminué, ils ont augmenté les prix pour consolider leur pouvoir. Alors on a voulu construire des barrages pour l'électricité, mais leur précieuse migration de saumon était plus importante que de pouvoir se chauffer. On a voulu couper quelques arbres pour construire nos maisons, mais les nids d'une poignée de chouettes tachetées étaient plus importants que toute l'industrie du bois. Maintenant que les fédéraux sont 6 pieds sous terre, disons qu'on a éliminé les intermédiaires. Ok. Ok, ok, ok. Plus personne ne peut nous empêcher de prendre ce qui nous appartient. C'était Mark Copland pour Radio Libre. Alors par contre, sa Radio Libre... Ne gobez pas les mensonges. ...est juste insupportable. Mais tu sais quoi, Cope? Le prix du carburant a bien baissé ces derniers temps. Le seul problème, c'est qu'il faut aller le chercher soi-même. Et aux dernières nouvelles, il y avait un paquet de connards qui essayaient de récupérer ce qui leur appartient. Très bien, la Terre nous appartient. Radio Libre qui nous fournit une quête, très sympa. Mais on s'en fout un peu parce que là, le but, c'est traverser tout cela. Et on va voir un petit peu quel est le souvenir. Mais elle est pas passée ici, c'est ça qui est un peu chelou, tu vois. Je pense qu'il faut aller derrière. Ouais, nickel. On y est. Là, va y avoir, à mon avis, 9 désinfectés à vider. Donc, on va la jouer. Oh putain, il y a un bidon d'essence. Très, très bon, ça. Ok, j'espère que ça va pas cracher. Il y a personne ? What?
Allô, allô ? Y'a personne. Très bien. Souvenir gratos. Ah mais non, mais on est revenu ! Encore ? Bah vas-y, là, c'est parti, on se ressouvient, les gars. Hein. Salut, c'est encore moi. Boozer dit que je devrais arrêter de venir ici. Il me dit sans arrêt que ça sert à rien et... Peut-être bien qu'il a raison, je sais pas. Il a seulement morflé l'autre jour. On est tombé sur des Reapers qui, lui, ont cramé le bras. Ça a l'air plutôt grave. J'ai forcé, comment on appelle ça déjà, une unité médicale mobile pour lui trouver des bandages stériles. Et j'espère que ça suffira. Mais tu connais Boozer. Il dit que ça va, mais perso, j'ai des gros doutes. Sa blessure a vraiment l'air sérieuse. Le truc, c'est que c'était de ma faute. J'ai risqué sa vie. Pour une pièce de moto. Une saloperie de pièce. Qui a servi à rien en plus. Ce fils de pute de Copland a désossé ma bécane. J'ai bossé un an sur cette moto. Elle t'aurait plu. Elle était pas aussi belle que celle sur laquelle je t'ai appris à conduire, mais elle faisait le taf. Tu te souviens du réservoir que tu m'avais offert? C'est tout ce qui restait de cette vieille bécane. Et maintenant, je l'ai perdue. Dès qu'elle sera remontée, ma moto, je veux dire, et que Boozer sera en état, on partira vers le nord. On recommencera à zéro. J'ai beaucoup de souvenirs ici. Un peu trop. Bref, tout ça pour dire qu'il est possible que je revienne plus te voir. D'accord, c'était un dialogue optionnel, mais c'est plutôt intéressant parce qu'il est... C'était de ma faute, potentiellement prêt à faire ses adieux. C'était même très intéressant et au moins on est venu récupérer un bidon d'essence, localiser Roach. Il s'est tiré avec nos médocs et nouveaux points de compétences. Donc c'est plutôt cool, en fait on est revenu exactement là où on était la dernière fois quand on s'est souvenu et même que ça avait bugué. Allez c'est parti, direction quête suivante qui s'appelle, il s'est tiré avec nos médocs, c'est donc un chasseur de primes qu'il va falloir retrouver. Direction la moto et direction notre quête, aucun souci normalement. Ça devrait le faire assez rapidement. Attendez, je dis ça, mais par contre c'est par où? C'est par où? C'est pas ici tout simplement. Voilà, ça va être la merde, hein. C'est un labyrinthe ce bordel. En plus j'ai clairement plus d'endurance. Elle est où ma moto? Ok, chiffon max. Je suis au max, mais je peux plus créer malheureusement de flèches. Attendez. C'est par ici. Putain, merde, ma moto. Oh. C'est un trou, mais il tombe très bien ce trou. C'est un beau trou qu'on a là. C'est un trou béant. Ok. Impeccable. Ma moto est juste ici. Hop, petite cascade. Voilà. On va en profiter pour se soigner. On se remet à 125. Et c'est parti. Quel plaisir. J'ai vraiment cru que j'allais tomber en rade et ça aurait été terrible. Vas-y, régale-toi. Et direction notre quête principale, chasseur de primes. Ah, c'est bon. Bah voilà. Là, ça fait clairement plaisir. Allez, on y va, c'est à 800 mètres. Attendez, attendez, vu que j'avais fait les nids, est-ce qu'il n'y a pas moyen par hasard, par le plus beau et le plus grand des hasards, de faire une TP rapide là-haut? Bien sûr que si, on y va. Allez, nous y revoici. Bon, finalement, j'ai l'impression que cette TP rapide, c'était peut-être pas le plus pratique parce qu'on était à 800 mètres et là, ça nous a mis à 400 mètres. On a gagné 400 mètres. C'est pas dingue. En vrai, c'était juste à côté. Mais c'est très trompeur, la map. On y va, une petite cascade. Oh, putain. Ça passe juste à chaque fois ici, dans ce sens-là. Ok, chasseur de primes, où es-tu? Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Et à mon avis, je vais devoir te coller une petite Michelle. Il y a moyen que ça parte très très vite en pluie. C'est parti. Il est juste... Allez, dans quoi pour finir de cramer la zone d'infestation. Ici. Non, c'est fait la zone d'infestation. Très bien. Besoin de carburant pour la moto. Mm-hmm. C'est fort problématique. Ok. On a une cheminée. Rien à faire ici. On a quelque chose ici. Attendez. Hop. Besoin de carburant pour la moto, mais pas du tout en fait. Je vais la mettre un petit peu plus loin. De toute façon que ça fait bugger un peu le bordel. Voilà. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a rien à cramer. Besoin de carburant pour la moto. Ah, ok.
pense avoir compris. Il faut que je n'aie qu'une moto blindée en carbu, non? Parce qu'à mon avis, on va faire un trajet. Ben oui! Je suppose qu'on va s'affronter en moto. Ok, très bien. Bon, carburant alors, c'est pas grave. C'est pas grave, on en a juste à l'autre bout. Peut-être une petite cascade à faire. Même pas. Non, c'est bon. Ok. D'accord, donc il prévoit, faut prévoir le carburant pour la mission. Très très bien. Très très bien, pas de soucis. Hop, bonne chose à savoir. Allez, vas-y, régale-toi encore une fois. Et 5% quand même, hein. 5% pour faire le petit bonhomme de chemin qu'on a fait là. C'est-à-dire juste aller chercher de l'essence. C'est assez terrible. Ok, à mon avis, c'est une course-poursuite. On y va. Direction, je disais, la mission. Par contre, de nuit et quand il pleut, je sais pas si c'est ouf, ça risque de glisser un max. Ça va ride comme Jaja. Allez, c'est bon. Vu que ça a save. Je ne comprends pas. Ok, on va jeter un coup d'œil dans le coin. D'accord. Ok, très très bien. Et très très bien. Voyons ce qu'on a ici. Et voilà. Tucker, je l'ai repéré. Il avait l'air d'attendre quelqu'un. Allez, allez, monte, putain, idiot. Merde. Précision des armes. À moto, la précision de vos tirs dépend de vos mouvements et de la distance qui vous sépare de la cible. Et on connaît ça. Ah. Merde, Tucker, vivant. D'autres trucs, Oxford. Je veux qu'ils nous disent où il a bloqué tout ça. Ok, bon. Je vois ce que je peux faire. Oh, Roach, où tu vas comme ça, hein? Tu colles toujours au train, salopard. Ok, très bien. Je laisse pas le choix. Ok. Quoi? Changer de cible. Mais non, je veux pas changer de cible. Bonne chose de fête. Bonjour, bonjour. Comment ça va, mon gars? Tu vois, je t'avais dit que je te buterais pas. Dick, non. J'ai rien fait de mal. Ah ouais? C'est pas ce que dit Tucker. Quand Léon et Alvarez se sont barrés avec la pharmacie du camp, ils ont oublié de te mettre dans le coup, c'est ça? Non, Dick, non. Non, non, dis-moi ce qui t'est passé par la tête. Aide-moi à piger le truc. Toi, t'as pris les restes dès que la vieille a eu le dos tourné. Dick, j'ai rien sur moi, ok? Tu peux vérifier. Quoi? Je crois pas, non. C'est pas mon boulot. Quoi? Laisse ça, Alkaï. Bah, on est mort, en fait. Je suis totalement mort. Ok. Il est vivant. Est-ce qu'il avait les médocs? Oui, il est en vie, oui. Non, non, il est mort. Qu'il leur reste. Disons qu'Alka, il ferait bien de manier son cul, terminé. Non, 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 il est mort, hein. Eh, hey, Bosman, tu reçois? Les gars, c'était pas prévu, ouais. Ça, hein. Question con. Tu sais où je pourrais trouver une géode? Et quoi faire? C'est pour la gamine que j'ai amenée. J'essaie de lui remonter le moral. Elle a dit qu'elle en avait une avant. J'en ai aucune idée. Peut-être à la boutique du cratère Belknap. Sinon, on essaie à Marianne Fox. Ouais, ok, merci. Très bien, nouvelle mission, j'ai un truc pour toi. Non mais c'est quoi ça, cette horde? C'est normal? Vous pouvez me dire en commentaire ce qu'on fait le jeu, si c'est normal? Ça, popo calme. Ça a failli m'arracher cette connerie, hein. C'est parti, alors il faut que j'aille... Oh, on peut se taper normalement juste à côté si je ne m'abuse. On peut se taper ici. En vrai, je peux le faire, le chemin. Je pense qu'on va pas abuser, j'ai un truc pour toi. On va le faire, comme ça, ça va dévoiler un petit peu de la map. Aucun souci. Attention, cascade! Oh putain, ça passe! C'était chaud, mais ça passe! On va chercher la petite jod pour la gamine. Ça peut être sympa, on reprend directement à notre début de vidéo. C'est vrai que la conversation était très très courte. Il me laisse pas partir. Bah ouais, mais t'as pas besoin de partir. Bah ouais, mais je travaille. Voilà, fin, ça dégage, hein. Si seulement c'était aussi rapide à Pôle emploi, je peux te dire que... Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Attends, des bruits très chelous. Il se passe des trucs suspects de nuit quand même, hein. C'est pas ouf, hein. Ah, ça varie le gameplay, mais ça varie aussi les plaisirs, hein. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est bon, calmez-vous, ça sert à rien. On dirait que la pluie, ça les excite aussi. Il se passe rien.
Bonjour. Hop. Hop, c'est cadeau. Fait plaisir tout cela. Ok, on peut pas ranger notre arme par contre. Ça se range tout seul, très bien. Bonjour, vous êtes très nombreux. C'est beau. Enfin un public qui m'accueille, ça fait plaisir. Ok, on y est. Je pense que je risque de prendre ma part. Ah, si je loupe ça. Très bien. Voilà la boutique. Il doit bien y avoir une géode okay. Là-dedans. Non, non, monte pas dessus. Bon. Ouais, tu vas bien me servir. Est-ce que de nuit c'était une bonne idée? Je ne crois pas, non. Hop, on répare la moto, calme. Embrouillez-vous les gars. Oh la vache. Très bien. Merde, presque à court. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est là-dedans? Ouais, c'est là-dedans, hein. Munition. Ok. Reste à terre! Bon, j'ai extrêmement peur de ce qui va se passer. De nuit, c'était pas une bonne idée. On le fait vraiment pour le plaisir, le risque. Mais quand même. C'est parti, Géode, c'est fait. On n'a plus qu'à rentrer, c'est ça? Attendez, on va tout fouiller quand même. Hop, c'est peut-être la minute de trop. Ok, c'est bon, on se casse. Putain, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a là-haut. Hein. Ça a l'air très très sombre. Hein. Oh, regardez. Putain, ça a l'air très très sombre. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Et en plus, faut que j'aille où au camp, c'est juste à côté. On fera une TP rapide, on va faire un petit tour. Ça m'intrigue énormément. Ok. Ok, très bien, il n'y a rien sur mon ancien camp, peut-être. Il y a eu des rites ici, non? Ok. Très bien. Elle est mieux celle-ci, je crois. Très très bien. Il n'y a que dalle. Oh, il y a eu des rites ici, hein. Ouh là là. Ouais, non, c'est j'entends trop de trucs. On va pas tenter le diable. Non, 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 on va rentrer très rapidement. J'ai la géode, on va pas faire les fous. On va le ramener à la petite Lisa. Et on se casse. C'est Tucker, ça y est. Je me suis souvenu par rapport à la cinématique. Attendez, peut-être par ici. Les toilettes, c'est jamais une bonne nouvelle. Mais sur un malentendu, on peut trouver des trucs cool. Très bien, y a rien. Bon! Allez, on y va. Hop, petite save rapide. Ça fait toujours plaisir. On attend que le scorpion se barre en bas à droite. Et on va faire une TP rapide en espérant que cette fois-ci, ça ne bug pas. Parce que ça a bugué en tout début de vidéo. Ce fut terrible. J'ai perdu quelques minutes assez sacrées. On ouvre. Allez, nous voici au camp. Radio est allumée. Ouais. J'avais du temps à tuer. Je t'ai fait des trucs. Merci, Bowser. Ok. Ouais, je passerai dès que possible. Terminé. Ok, il y a Boubou qui nous a fait un petit truc peut-être sympa. Ça peut être cool. On ira voir le prochain épisode. C'est parti, Lisa. J'ai une petite géode pour toi. Eh, c'est cadeau. J'ai pas pris beaucoup de risques, hein, je vous avoue, dans cet épisode-là. Pas très compliqué. Lisa, j'ai... Va-t'en. J'ai un truc pour toi. M'emmène avec toi. Tu peux me ramener à Marion Forks? Je peux pas, désolé, c'est trop dangereux. Je dois aller me coucher. Ils nous font lever tôt pour travailler. Oh, ça sent pas bon cette histoire. Ça me fait peur.
ça me fait peur, ça sent vraiment pas bon cette histoire. J'ai un truc pour toi, 50%, saine et sauve aussi. Je vous le dis, j'ai déjà arraché... Ah bah j'ai pas le temps de dire. Roulez jusqu'au lieu indiqué. Ah, j'ai déjà arraché du chien-dent, c'est quoi ça, frérot? Du chien-dent. Du chien-dent, je pense. Je sais pas c'est quoi, très honnêtement. On va découvrir ça au prochain épisode. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous dis à très bientôt. Mais là, clairement, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, cette histoire avec Lisa. Ça peut partir en couille très très vite, peut-être même un peu trop vite. Ciao, ciao, prenez soin de vous.